Salut les mecs, comment ils vont les gans? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux. J'espère que vous allez bien les mecs. Moi perso ça va nickel. J'ai une bonne nouvelle. J'ai créé une deuxième chaîne avec un pote. C'est Et Alors Prono. Il faisait aussi des pronostics sur YouTube. Il en fait d'ailleurs toujours. Il a sa chaîne. Donc je me suis associé avec lui. On a fait une chaîne vraiment sur le mercato transfert. On met aussi des pronostics. D'ailleurs, la première vidéo, on a fait un petit perfect aux petits oignons, papa. On s'est spécialisé dans le under-over et les deux équipes marques. C'est vraiment des paris qui sont pas mal parce que souvent, les cotes des over 2.5 ont une cote à 1.50, 1.60 ou plus. Et les deux équipes marques, souvent, frôlent les 1.90, 1.80. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Bonne entente. Je fais la vidéo avec lui, lui au téléphone. On se pose des questions. On débriefe les matchs à venir et les matchs qui sont passés. Et c'est souvent bien aussi parce que les parieurs, généralement, quand ils veulent aller au tabac, ils hésitent encore un petit peu. Ils savent pas trop s'ils vont valider leur ticket. Et justement, la vidéo, elle est bien dans le sens où on parle du match, les matchs précédents qu'ils ont joué, comment était l'état d'esprit de l'équipe, etc. Bon, voilà. En veux-tu, en voilà du pronostic et surtout de l'analyse. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Je suis vraiment satisfait. Ça démarre tranquillement. C'est la deuxième vidéo. Vous pouvez aller voir. C'est Et Alors Bordel, l'actu. Donc, tu tapes ça ou tu tapes pronostic. Pronostic foot et tu tomberas certainement sur ma gueule. Voilà, si c'est comme ça, tu tomberas sur la tronche. Bref, en tout cas, nous, sur la chaîne de papa, on a fait un petit... on a fait des bonnes stats, pas de perfect. Hein. On a fait des bonnes stats sur la vidéo d'avant. On a mis Lille gagnant, 1.50, c'est passé. On a mis plus 2,5 buts, 1.55, c'est passé. On a mis Balotelli buteur, c'est passé. La victoire de Marseille, on n'en parle pas, c'est... Voilà, c'est... on a fait Saint-Etienne gagnant aussi. On a fait le plus 2,5 buts Marseille 1,78. Elle est passée aussi. Bon voilà, c'est plutôt pas mal. On reste comme ça. Et une dernière chose, un petit bisou à Olivier Labatte. Je vois que la dernière vidéo, on aime bien aller se regarder les uns et les autres. Tu t'es fait un petit peu taper sur les doigts, mais moi je te tire mon chapeau, papa. Force à toi. Il faut poser ses cojones et c'est comme ça la vie. Point barre. Un bacio à toi, Olivier. Bon courage. Je sais qu'on défense pianote un petit peu. On essaie de se parler un peu. Et je pense à toi. Bref, aujourd'hui, deux matchs. Ligue des Champions, forcément, les mecs. Vous attendez tous ce match-là. Il n'y aura pas de suspense. C'est un Tottenham. Voilà, Tottenham amoindri. Et je crois qu'il y a Kane. Il y a Son qui n'est pas là. Il y a Aurier aussi blessé. Ils ne seront pas de ce match-là. Ça va être très difficile pour Tottenham à la maison, sachant qu'ils ont déjà perdu un match. Donc, ils sont capables de perdre à domicile, même si je pense qu'ils avaient la tête à la Ligue des Champions. Lamela est incertain. Bon, Lamela n'a pas non plus une grosse folle influence dans cette équipe. Côté Ajax, je crois que c'est Marzouli qui n'est pas là. Donc, voilà. Mais je pars plus sur un petit Ajax. Plutôt satisfaisant quand même, hein. On sait que cette équipe, elle est jeune, ils ont l'habitude de jouer ensemble. On a bien vu ce qu'ils ont fait au Real, même si c'est amoindri, mais bon, après ils sont partis quand même faire quelque chose à la Juve. Voilà, c'est quand même costaud. Tottenham, franchement, je les vois pas aller plus loin. Voilà, demi-finale déjà c'est bien, ils ont fait du bon taf, mais je vois plutôt un Ajax au match nul et le Under 3-5. Voilà, vraiment pour sécuriser ce pari au maximum. Je vois pas Tottenham gagner. Je vois pas l'Ajax perdre. Donc voilà, je partirai plus sur une double chance. Je vais en profiter que la cote soit un petit peu élevée. Je crois qu'elle est encore à 3 et quelques. Partir sur ce prono-là, je pense que c'est le plus safe possible. Je vois pas une pluie de but non plus. Voilà, l'Ajax doit aller faire le boulot. Marquer un but, pas s'en prendre 15. Donc ça va sceller quand même au max. Donc je partirai plus sur une double chance et le under 3-5. Voilà, sur ce match-là, je partirai là-dessus. Deuxième match, je vais jouer le match en retard Montpellier-Paris. Montpellier va partir avec tout le monde sauf l'ailier arrière-gauche. L'arrière-gauche, je crois que c'est Aguilar qui est titulaire droit par. Piston droit, titulaire. Aguilar qui est très bon, mais bon voilà. Montpellier devrait être avec tous ses joueurs, excepté ce mec-là. La pointe de l'attaque, c'est Delors, comme d'habitude, qui va être aligné. Paris se déplace sans Mbappé, voilà, qui a été suspendu. Neymar est dans le groupe, Cavani aussi. Il manque Thiago Silva en défense, il manque Kerrer, il manque Meunier aussi côté droit. Bon voilà, on a un Paris quand même qui a récupéré ses deux gros stars. Alors est-ce que Cavani est dedans et pense déjà pas à se barrer? Ils sont déjà champions, est-ce qu'ils vont faire l'effort d'aller se blesser un petit match à la con Montpellier? Bon. Moi, sur ce match-là, je vois les deux équipes marquées, les papas. C'est fort possible. Voilà, Montpellier, à domicile, ça envoie quand même de la patate.
Paris va pas vouloir se laisser faire, va vouloir peut-être finir cette saison. Il y a Neymar qui est là, bon, avec ce qu'il a fait, est-ce qu'il va avoir la tête au match, il a mis une droite, il est plus boxeur en ce moment que footballeur. Bref, du coup, voilà. Mais je vois pas non plus Paris perdre. Ça serait vraiment un gros exploit de Montpellier, même si c'est possible. Mais je vois plutôt ouais, les deux équipes marquent. Paris, pourquoi pas aller s'imposer là-bas pour histoire de dire, bon, voilà, ouais, on est Paris quand même. Arrêtez un peu de déconner. Mais bon, le pari pour moi, excusez-moi, petit rototo, le pari le plus sûr pour moi, ça serait les deux équipes marquent. Voilà, je partirais plus là-dessus. Après, Paris, forcément, doit faire le taf automatiquement. Je partirais Paris, mais bon. C'est plus dans la logique du match, quoi, en fait. La configuration du Paris champion qu'autre chose. En tout cas, on va rester comme ça, les mecs. C'est plutôt pas mal. Demain, on se revoit pour une autre vidéo. Nous, on va se taper une vidéo, la troisième vidéo de l'autre chaîne pour le match de Barça demain. Donc voilà, c'est plutôt bien, les mecs. Voilà, franchement, ça donne un petit go, un petit renouveau, un peu de peps. Et c'est plutôt bien. Si tu as aimé cette vidéo, papa, je t'encourage à de la liker. Laisse-moi les commentaires, c'est pas grave si c'est pas bon. Mais en tout cas, c'est le top du top. Et si tu veux aussi faire attention à tes petites beubards, j'ai toujours le pack. Toute la semaine, j'aurai ce pack-là. Pack tondeuse, brosse, soins, beubards, etc. Voilà, c'est Amazon qui fait ça. Et je travaille pour eux, les papas. Un bacio a tutti, grazie mille. En tout cas, ciao, la bise.